Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous explique dans cette vidéo comment il faut préparer un dossier d'inscription si vous désirez louer un appartement ou une villa. Si le locataire actuel ne vous remet pas le formulaire d'inscription lors de la visite, demandez-le immédiatement à la régie. Remplissez-le complètement et n'oubliez pas de mettre des références et signez-le. Ajoutez des photocopies bien lisibles des documents suivants. Si vous êtes suisse, la carte d'identité ou le passeport et l'attestation d'établissement pour confédérés ou l'attestation de domicile. Si vous êtes étranger, le passeport et le permis de séjour. Une attestation de salaire, une allocation de chômage, une attestation de retraite ou une attestation de rente d'assurance. Si vous êtes indépendant, il faut ajouter les derniers trois bilans et comptes de pertes et profits ainsi que la dernière taxation d'impôts. Un extrait du registre des poursuites avec une attestation que vous n'avez pas un acte de défaut de bien et que vous n'êtes pas en faillite. Cette attestation peut être cherchée directement au guichet de l'office de poursuite si vous présentez votre pièce d'identité. Transmettez la demande de location et les documents demandés à la régie. Seulement les dossiers complets sont pris en considération. Votre inscription n'a aucune valeur contractuelle. Et le choix du locataire ne dépend pas de l'ordre chronologique de la réception des dossiers. Le loyer ne devrait pas dépasser 25 à 30 % de votre revenu brut. La plupart des régies répondent dans les 3 à 7 jours suivant la complexité du dossier. Les régies sont souvent dans la situation qu'elles doivent choisir entre plusieurs personnes qui ont des dossiers comparables et le choix n'est pas toujours facile. Si vous recevez une réponse négative, ce n'est pas toujours dû à votre dossier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.